Salut, c'est Kisra. J'ai coupé mes cheveux. Je faisais les couleurs en rainbow, comme je vous avais dit dans mon vidéo. Je suis très contente comment ça sortit. Maintenant, c'est le printemps, c'est pour ça que je les ai coupés. Vous pouvez voir en arrière, c'est un peu plus court et puis ça descend comme en avant, comme une ongle. Normalement, dans le printemps, je coupe mes cheveux parce qu'il y a de l'humidité et puis de la chaleur. Puis c'est toujours c'est trop long, puis je dois le toujours attacher. Et puis je les coupe. Ça sort comme plus funky. Et puis l'hiver, je les garde longs, comme vous voyez. Normalement, je ne fais pas de couleur ni rien, pas des mèches. Je les laisse noisette ou brun, ma couleur naturelle. Et je les laisse longs parce que c'est l'hiver et puis je ne sors pas beaucoup comme en été, en printemps. Pendant l'été, je sors de début de la journée jusqu'à presque la... Bon, moi je peux dire... jusqu'à assez tard, dans le soir ou dans la nuit, ça dépend. Et puis maintenant, je suis prête à sortir, c'est vendredi soir. Je vais sortir bientôt. C'est moins 3 maintenant. Celsius, je ne sais pas si en Fahrenheit. Mais pour nous autres ici à Montréal, c'est comme de la chaleur, c'est le printemps. Alors, vous voyez les couleurs? Sorti rouge, un peu de bleu, c'est du fun. Alors, bon, je vais mettre mon maquillage, qui, comme je vous avais dit, c'est très simple. Je l'achète vraiment n'importe où. Si je trouve quelque chose en spécial, alors je l'achète. Et puis, je fais presque toujours, presque toute moi-même. Je coupe mes cheveux moi-même, je fais le cire moi-même. Fait que, il n'y a pas beaucoup à faire pour moi, je suis une fille assez très simple. Et puis, bon, c'est tout. And I just want to say hi. And I cut my hair, as you can see. It's kind of a bob cut from what I had before. And look, you can see the red and some blue. And it's kind of in the bob, it's a little bit shorter in the back than in the front. The front is a bit longer. And I'm getting ready to go out right now. It's actually warm in Montreal, which for us, for Montrealers, it's warm. For, you know, the guys in the States, it's probably very cold for you. But it's -3, so it's spring. And this is what I do every spring. I cut my hair from, you know, very long as it was, to a shorter length, so it's much easier to manage. For me, you know, with all the heat and humidity, it's very hot here in Montreal. And right now, I'm going to go put my makeup on, which is going to be very simple, just, you know, very light. And I'll go and enjoy myself outside tonight. So, I will like to say goodbye, and well, see you all soon.